sais, depuis mon frère, je suis plus vraiment moi-même. Ça fait 4 mois. Pas un message, pas un appel. Je m'appelle Ubi. Si tu obéis, tu peux le sauver. Faut sacrifier une pour sauver ton frère. Mais la seule personne que je veux buter, c'est le fils de pute qui a tué mon frère. Et vous devez être deux. Oh, Victor ! Oh, j'ai besoin de toi. Je peux t'aider si tu veux. Lisa. Tu veux quoi ? Faut qu'on parle de ce qu'a fait ta grand-mère. Tout le monde le sait qu'elle fait du vaudou. Je sais pas du tout ce que t'es en train de chercher, mais c'est hyper dangereux. Faut que tu restes loin de tout ça, Sophia. Obé m'a donné des pouvoirs. Moi, je contrôle les gens. Et toi, tu lis dans les pensées. Pour que ça marche, faut qu'on soit toujours tous les deux. Faut juste que tu maîtrises, c'est tout. Toi, tu maîtrises. Moi, je suis dangereux. Le fait que vous augmentez vos pouvoirs, c'est l'expression de qui vous êtes. Quelque chose de sombre en toi. Quelque chose de cassé. T'es dépressif ? J'étais en HP l'an dernier, mais là, ça va, je suis bien. Je suis mieux. Pense à Louisa. Mais je crois qu'elle a des sentiments pour moi. C'est impossible. Bah pourquoi c'est impossible ? Personne peut tomber amoureux de moi. T'arrêtes les deux. Fais un pacte avec Obi. Je les maîtrise. Toi, tu fouilles dans leur tête et ensuite, on va les faire péter. Pour Reda. Tu arrêtes d'utiliser tes pouvoirs. C'est votre seul sens de survie. Je suis prête, mamie. Tu es prête à quoi ? Je vais apprendre. Tout ce que t'as toujours voulu m'enseigner, là, je suis prête. C'est trop dangereux, bizarre. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se servir du vaudou pour faire des choses horribles. Et je sais que je peux l'arrêter. Pour mon frère, il n'y a rien que je fais pas. Parle. T'es ton content qu'il a tué ? Le gars pour qui on bosse me l'a volé ! Il a tué Reda, si je parle, il me mettra tout sur le dos. Si je le sacrifie pour toi, est-ce que tu m'accorderas ce que je souhaite ? Tu le. Et je le ferai. Je sais qui c'est. Sophia, je l'ai trouvé ! Que c'est Obé qui a demandé qu'on tue ton frère. Victor et Sophia m'ont découvert qu'il a tué Reda. Mais ils mourront avant de l'atteindre. Dès que je peux emprisonner Obé, d'accord ? Et surtout que je peux me protéger. Tu feras un très beau sacrifice à proposer à Obé. Pour Sofiane et Victor. S'ils continuent à utiliser leurs pouvoirs, ils se font du mal. Est-ce que tu crois qu'un dieu invisible t'a donné des pouvoirs ? Oui. Je vais passer un peu de temps à l'hôpital. Je vais revenir. Tu devais l'informer, car tous nos espoirs reposent sur elle. Vous pouvez compter sur moi. Tu seras initié et tu deviendras une des nôtres.